pendant le confinement, j'étais inquiet pour les SDF parce que nous, on se plaint d'être en confinement, mais qui va se plaindre pour les SDF? Bonjour, je m'appelle Amza, j'habite au centre-ville de Marseille et je suis un enfant copain du monde. Je fais des marottes pour aider les personnes sans abri. Avec mon groupe de copains du monde, on prépare les chariots avant de donner de la nourriture aux SDF. On sort les sandwichs, le pain, l'eau, la nourriture comme la purée, la pizza, les saucisses. Puis après, la marotte va commencer. On sort de la mairie et on descend dans les rues de la Canebière. Quand nous passons, ils sont tous contents de nous voir parce que ils savent qu'ils ne vont pas terminer leur journée avec le ventre vide. Nous aussi, on est heureux de les voir. Par exemple, il y a des personnes avec des profils différents. Il y en a qui viennent de tel ou tel pays, de telle ou telle ville. Mais ils ont un seul truc en commun, c'est qu'ils sont tous gentils. Moi, avant, quand je passais à l'école avec ma mère, je voyais des SDF dehors et ça me faisait mal au cœur. Et quand j'ai su qu'il y avait un groupe de solidarité qui faisait des bonnes choses, j'ai été heureux et je me suis inscrite. Pendant le confinement, j'ai été inquiet pour les SDF parce que nous, on se plaint d'être en confinement, mais qui va se plaindre pour les SDF? Ça me rend heureux d'être en déconfinement pour recommencer à faire des marottes, pour redonner la joie aux SDF.